Je m'appelle Julien Autan, je viens de l'entreprise Delta Voix, le bureau Bellategui, à Randaï. L'entreprise Bellategui, dans laquelle je travaille avec mon père depuis moi maintenant 10 ans, c'est donc une voilerie qui a 20 ans d'existence. Une voilerie, c'est là où on vend et répare des voiles de bateaux et où on entretient tout l'accastillage et tout ce qui est utilisé sur les voiliers. C'est ce savoir-faire lié au nautisme que l'on a appliqué à la décoration pour les jardins, les bars, les restaurants, autant les particuliers que les professionnels, et on fabrique des voiles d'ombrage cette fois-ci, non plus des voiles de bateau, et juste à but de protection solaire. Puis je suis rentré en formation à l'EDM, l'école des managers, ici à la CCI de Bayonne, dans le cadre de la succession de cette entreprise. J'ai intégré l'école des managers en me renseignant, en ayant des personnes autour de moi qui ont déjà participé à l'école des managers, et ce sont ces personnes-là qui m'ont encouragé et motivé. La formation, elle est en alternance, c'est-à-dire que je reste en entreprise. On a un rythme de 1 à 2 journées par semaine à la formation à la CCI. C'est vraiment tout un apport théorique, en tout cas sur la première partie de cette formation, bien supérieur à ce que je maîtrisais déjà dans mon activité. Ça faisait 10 ans déjà que j'étais dans mon activité. On ne fait pas tout, on a un poste attitré. Et l'école de manager est là pour nous montrer la globalité du poste de gérant d'entreprise. Tous les stagiaires de la formation de l'EDM ne sont pas des repreneurs d'entreprise, certains sont des créateurs de jeunes entreprises. Et les intervenants de l'EDM, les personnes que l'on rencontre ici à la CCI, le réseau grandit et tout le monde sait que le réseau, c'est super important quand on a une activité professionnelle. Je conseillerais cette formation, d'autant plus que ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai été conseillé par des proches, par 3 personnes différentes que je connais, qui ont fait partie des cursus précédents de l'EDM, qui tous en sont sortis grandis, à la fois personnellement, mais professionnellement. Je suis certain que travailler et se former en travaillant, c'est la meilleure solution pour ne pas perdre pied dans son entreprise et en même temps acquérir des connaissances adaptées à notre entreprise et pas que de la théorie. On mélange tout et vraiment, se former en travaillant, c'est vraiment un bon choix.